Bonjour, je suis Jean-Claude Ambalou, coach en développement personnel. Comme promis la dernière fois, je commence aujourd'hui une introduction au développement personnel qui est basée sur mon livre que je viens de publier, Le plan de développement personnel à tous égards. À tous égards, qui est le socle sur lequel nous avons écrit ce livre, est basé sur 3 Jean 2 dans la Bible. Je cite: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous ne pouvons pas envisager le développement personnel sans pour autant parler du développement spirituel. C'est pour cela, dans cette formation au développement personnel, nous allons prendre les 3 dimensions de l'homme, c'est-à-dire sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan spirituel. Au niveau spirituel, il consiste à faire un examen sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses potentiels, sur le don, les talents, les grâces que Dieu nous a données. Sur le plan personnel, nous allons faire une analyse de nos points forts, de nos points faibles, de nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive à faire certaines activités? Qu'est-ce qui nous motive à faire certaines tâches? Qu'est-ce qui nous pousse à accomplir certaines performances dans tel ou tel domaine? Et sur le plan professionnel, il s'agit de faire une analyse sur notre profession, notre carrière, nos activités professionnelles, notre business. Alors, pour avancer, nous allons examiner quelques questions. La première question, nous allons aborder votre situation actuelle. Où êtes-vous sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan spirituel? Cela nous permettra d'avoir une idée générale de votre situation actuelle. Ensuite, nous allons faire une réflexion sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous souhaiterez faire à tout prix? J'aimerais tout simplement vous inviter à une révélation. La personne que vous attendez, l'agent transformateur de votre vie, se trouve être vous-même. Il n'y a personne qui viendra prendre votre place. Vous êtes la seule personne qui compte vraiment pour que votre vie, votre situation puisse changer et s'améliorer en mieux, pour que vous ayez vraiment à accomplir à tous égards ce que vous souhaitez faire dans la vie.